Nous allons revoir aujourd'hui notre checklist du plan de tournage que nous avons déjà abordé dans le premier épisode de cette série. Comme chaque amateur du cinéma, je devais inventorier les moyens indispensables pour la prise de vue, réviser tout le matériel et les accessoires que j'avais utilisés pour m'assurer de leur bon fonctionnement. Ainsi, commençons tout d'abord par la vérification des piles et de la batterie, ainsi que les autres sources d'énergie pour la caméra. Ma caméra Sankyo Sonor XL420 Supertronic a des fonctionnalités très avancées, avec un boîtier léger et compact. Elle fonctionne sur courant du secteur, mais aussi sur pile de type AA. Je tourne la butée du couvercle du compartiment à pile, situé au bas de la poignée, à l'aide d'une pièce de monnaie similaire ou d'une tige d'une cuillère. J'insère 6 piles sèches de type AA, en suivant le schéma imprimé sur la poignée. L'utilisation de piles alcalines est recommandée pour une plus grande efficacité. Je replace le couvercle et je tourne le bouchon en position C. Je mets l'interrupteur d'alimentation sur la position BAT, pour la vérifier la batterie. Cet indicateur d'alimentation sert ainsi comme témoin de contrôle. Ça marche très bien. Vous êtes maintenant prêt à filmer pendant l'enregistrement du son. Appuyez à fond sur la détente et le tournage et l'enregistrement commenceront en même temps. Dans le viseur, vous verrez les lampes vertes et oranges scintiller. Pour plus d'informations à ce sujet, regardez ma première vidéo de la série Cinéma d'amateur citée en description. Après chaque tournage, il faut retirer les piles du compartiment et les ranger dans une boîte pour une utilisation ultérieure. Il faut veiller toujours, par mesure de sécurité, à assurer la caméra à son poignet de sécurité par l'intermédiaire de la dragonne, ou de la sangle de poignet incorporée. La caméra est équipée d'une prise 9 volts DC, afin qu'elle puisse également être alimentée à partir d'une source d'alimentation DC externe. Cela est très utile lorsque vous devrez utiliser votre appareil pour une longue période. Parmi les blocs d'alimentation CC que j'avais utilisés à cette époque au début des années 80, il y a cet appareil de marque TRQ qui était disponible à un bon prix sur le marché. Les blocs du batterie, relatifs à la caméra vidéo, sont parfois très utiles comme une alimentation externe s'ils sont équipés bien entendu, de ce genre d'accumulateur à 9 volts. Mon premier film Super 8 sonore de 1989, a été tourné à la plage Martil, en une journée plus ou moins ensoleillée, entre 18h30 et 20h d'été. Ce plan demeure pour moi un souvenir que je n'oublierai jamais. Il comprend avec détail toutes les démarches à suivre avant et pendant le tournage. «
L'une des grandes caractéristiques de cette caméra est la possibilité de tourner en intérieur dans des conditions de faible luminosité. Le film ASA 160 est idéal pour une utilisation avec cet appareil lors de prises de vue en intérieur. Il permettra un tournage correctement exposé dans des conditions de faible luminosité, assurant des images nettes et claires. Cette caméra XL, Existing Light, en anglais, a été créée pour travailler en lumière ambiante même très faible. Elle possède un obturateur ouvert à 240 degrés, un temps d'exposition de 1,27 secondes, qui, associé avec un objectif très lumineux ouvert à 1,2, permet d'opérer avec un très faible éclairage, dans la rue, ou chez soi avec les seules lumières de la maison. Lors d'un tournage en intérieur ou à l'extérieur, ce bouton de commande de filtre vous permet de déplacer le filtre de compensation de couleur de type A, intégré, suivant votre choix. Ainsi, vous pouvez opter pour un éclairage relatif à un ensoleillement, à une lumière fluorescente, ou à une lumière bleue. Ou bien, choisissez un éclairage relatif à une lumière de tungstène ou à une lampe de cinéma. En tournage, à l'intérieur comme à l'extérieur, l'amateur du cinéma a besoin d'un éclairage artificiel. Cette torche aux halogènes est un projecteur de lumière de 1000 watts de puissance et 220 volts. Elle possède un capot de protection contre les éventuelles projections d'éclats du tube et un filtre anticalorique à l'avant de la torche avec un ventilateur intégré. C'est suffisant pour tout amateur de cinéma ou de la vidéo. À titre de conseil, il faut toujours emporter avec soi plusieurs ampoules et fusibles de rechange. Cette ampoule a été détruite à cause de l'humidité. Car en fait, il y a beaucoup de précautions à suivre pour ne pas entraîner l'éclatement de l'ampoule. Il y a également cette mini torche autonome qui se fixe directement sur la caméra à la place de la micro-perche pour certains modèles. Alimentée par un accumulateur rechargeable au nickel-cadmium, elle procure une autonomie de prise de vue d'une dizaine de minutes par charge. Le tournage à distance est possible avec une télécommande comme celle-ci, ou le microphone de télécommande fourni. À l'époque des caméras sonores, conçues pour le son synchrone, le microphone appartient de plein droit à la liste du matériel de prise de vue. Je n'avais pas de micro-perche qui se fixe sur la caméra, mais seulement ce petit micro simple, destiné pour des petits entretiens comme cet extrait par exemple. Bon anniversaire, hein? Sache. Il y a également ce genre de microphone destiné à un enregistrement audio ou à la post-sonorisation. Pour ce faire, on enregistre des dialogues post-synchronisés sur un magnétophone, comme nous allons voir par la suite. Et une fois terminé, on introduit tout l'enregistrement à la deuxième piste sonore du film par l'intermédiaire des prises d'entrée audio du projecteur. Ce contrôle manuel, à l'aide du vue-mètre, comme vous le voyez sur le projecteur, n'est qu'un essai pour tester le microphone.
Tout amateur du cinéma préfère un enregistrement de son, indépendamment de la caméra. Il doit recourir alors à un magnétophone. Depuis 1972, j'avais ce petit bijou de Sanyo. Il est portable et pratique pour des enregistrements à l'extérieur, par exemple, en excursion à la campagne, à la plage, etc. Je l'ai essayé récemment pour vous. Son moteur fonctionne encore, mais il ne lit pas la cassette car sa courroie est devenue défectueuse. Il faut tout simplement la remplacer. J'avais utilisé également, à cette merveilleuse époque, ce magnétophone, pour des enregistrements radiophoniques, et aussi à l'intérieur, pour des monologues en famille, avec mon ancienne Darbouga, comme cet extrait par exemple. Mais, mon meilleur magnétophone des années 80, est celui-là. C'est un appareil bien sophistiqué, autorisant un travail de montage ultérieur plus facile, ainsi qu'un enregistrement hi-fi stéréo de haute fidélité. La plupart des amateurs qui filment des souvenirs ou des documents de type reportage, travaillent en cinéma en utilisant la technique du son synchrone direct. C'est-à-dire que la caméra enregistre simultanément les images de la scène filmée et le son qui est associé sur la bande magnétique couchée sur la pellicule. Ainsi, au moment de tournage, les sujets écoutent directement la chanson, et ils la chantent en remuant leurs lèvres, tout en suivant exactement les paroles et le rythme de la mélodie, et en même temps, le caméraman filme la scène, avec un câble audio attaché simultanément aux prises d'entrée de sa caméra, et aux prises de sortie du magnétophone, qui transmet d'une façon directe à la caméra, la même chanson en cours de lecture. Voici un extrait d'exemple, pris de mon film Super 8 couleurs, Yaoum Marabié, c'est-à-dire, Jour de printemps en arabe, de 1989. Pour l'enregistrement des chansons pour mes films sonores, j'utilise souvent des cassettes magnétiques audio de haute qualité, comme celle-ci par exemple. L'amateur du cinéma et de la vidéo peut réaliser la post-sonorisation en une seule opération grâce au pupitre, ou boîte de mixage, comme celui-ci, que j'avais utilisé moi-même, surtout pour les commentaires superposés à une musique de fond. Ce modèle stéréo transistorisé possède trois entrées. Chaque voix ou musique est réglable en hauteur de son, avec un correcteur des graves et des aigus à la sortie. Ainsi,
On peut enregistrer le mixage audio réalisé par ce pupitre directement sur la piste magnétique adjointe au film sonore, et ceci, grâce à un projecteur, muni d'une base sonore transistorisée, permettant mixage et surimpression. Ainsi prend fin cette vidéo, et je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas de vous laisser vos commentaires et vos observations, car ils sont utiles pour moi afin d'améliorer le contenu de mes documentaires à l'avenir. Mon prochain épisode sera consacré aux titrages et au développement du film Super 8. C'était Céline en narration, pour Text Speaker 3. Pour ce documentaire, écrit et réalisé par Abdelkader Ouladelhadj. Merci, et à bientôt.